Bienvenue, welcome back. On va passer au français là pour de bon parce que à partir de maintenant nos pitchs vont être en français. Donc re-bienvenue aux sessions de pitch du Deauville Green Awards. On a eu une petite interruption pour des raisons techniques. Voilà, et normalement c'est résolu. Je ne vous représente pas les membres du plateau parce que en fait les pitchs ça va très très vite. On est en train de s'en rendre compte. Donc je vais très vite passer la parole à Jérémy Jantet qui est venu. Bienvenue Jérémy. Bonjour. Alors Jérémy, tu es venu nous pitcher Paris Ville Nature. Tout à fait. Voilà, qui est un projet. Alors je vais lire très vite le synopsis que vous nous avez envoyé. Faucon à Notre-Dame, renard au Père-Lachaise, orchidée sauvage dans les friches, cueillette à Vincennes ou pêche au brochet dans la Seine. Paris est une ville où la nature est omniprésente, même sous ses formes les plus insoupçonnées. Près de 2800 espèces sauvages, aussi bien végétales qu'animales, ont été ainsi observées à Paris ces dernières années. Ce monde sauvage reste encore imperceptible pour un grand nombre d'habitants de la capitale qui semblent pourtant aspirer à une nouvelle forme de proximité à la nature. Paris Ville Nature propose de mettre en lumière cette nature, de mieux la comprendre pour la protéger et favoriser sa coexistence avec les urbains, d'interroger sa place dans la ville et la vie de ses habitants à travers une exploration documentaire qui se déploie sur plusieurs supports. Jérémy, c'est à toi. Tout à fait. Bon, bah voilà, tu as tout dit. Donc, merci, au revoir. Je n'ai plus grand-chose à dire. Je vais commencer ce pitch par parler un peu de moi. Non pas que j'ai envie de parler de moi, mais pour vous expliquer un petit peu comment, pourquoi ce projet a vu le jour et pourquoi j'ai eu envie de le réaliser, de le développer. Donc, moi, je viens de Strasbourg, mais ça fait 7 ans. 7 ans que je vis à Paris, que j'ai quitté Strasbourg pour Paris. Et ma vie à Strasbourg, avant d'arriver à Paris, était très liée à la nature. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de vélo, j'allais beaucoup me promener aux alentours de Strasbourg, parce qu'en fait, en 2-3 kilomètres, vous pouvez être dans la nature, dans la campagne et tout ça. Et c'est vrai que j'avais un lien fort à la nature. Et en arrivant à Paris, ça a été un peu dur pour moi, parce que cette nature-là à laquelle j'étais attaché, je la trouvais plus, ou en tout cas je ne savais pas comment faire pour retrouver ce lien que j'avais créé avec celle-ci. Donc j'avais un vrai besoin, une vraie nécessité de me reconnecter à la nature, mais comme beaucoup à mon avis de Parisiens. On voit un peu ce qui se passe, surtout avec la pandémie, il y a de plus en plus cette envie, voire cette nécessité pardon, pour beaucoup de Parisiens de trouver cette nature-là. Donc, comment faire pour trouver cette nature ? Devais-je fuir Paris, aller m'installer à la campagne, me reconvertir dans l'agriculture ? Pouvais-je être proche de la ville, enfin de la nature, pardon, en vivant à Paris ? Donc, c'était un peu les questions qui me taraudaient. Et l'idée, c'était de savoir comment retrouver cette nature ? Comment la trouver ? Est-ce qu'elle existait à Paris ? Donc, j'ai cherché des solutions. J'ai réfléchi. Alors la première que j'ai trouvée, c'était de mettre des fleurs, des plantes sur mon balcon pour avoir un substitut, ou en tout cas un petit échantillon de nature. Mais bon, mon balcon, voilà, on est un peu à l'étroit et j'étais pas complètement rassasié, on va dire, de nature. En tout cas, ma quête de nature n'était pas forcément... je l'avais pas trouvé via mon balcon. Donc, j'ai cherché et j'ai trouvé un jardin partagé dans le quartier dans lequel j'habite, donc le quartier des Batignolles à Paris, qui se trouve dans le parc Martin Luther King. Un jardin partagé dans lequel on cultive des fleurs, des plantes, des légumes, en respectant, on va dire, le sol et en suivant les préceptes de la permaculture. Donc là, c'est s'appelle le jardin des copains. Vous pouvez voir les copains qui jardinent. Et en fait, grâce à ce jardin, grâce aux gens qui étaient présents dans ce jardin et grâce finalement à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer là-bas, j'ai fait la connaissance et j'ai découvert différents personnages à Paris en lien avec la nature qui incarnent en fait la nature à Paris, dont une personne qui s'appelle Christophe de Audi. Voilà. Et donc cette personne-là, en fait, est un cueilleur de plantes sauvages, comestibles et médicinales, mais dans Paris. Donc j'ai découvert cette personne et j'ai trouvé son profil très intéressant. Et je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire autour de ce personnage-là. J'aimerais bien le filmer.
Et bah, je l'ai filmé, on a fait un pilote autour de ce personnage, et je me suis dit, mais il y, a cette personne-là, mais il doit y en avoir aussi d'autres qui incarnent la nature à Paris. Donc ce projet, en fait, est né de cette découverte avec Christophe, hein, autour de Christophe, et j'ai eu envie, en fait, d'en dire plus, de me dire, bon, bah voilà, il y a cette personne-là, mais il doit y en avoir d'autres. Et en fait, la nature est présente à Paris, en tout cas, on peut amener les gens à la découvrir, à découvrir les initiatives en lien avec celle-ci. Donc ça a été une révélation, ça a été une sorte de miracle pour moi. Et donc j'ai décidé de développer ce projet Paris Ville Nature. Donc le pitch, l'idée de ce projet-là, donc c'est une exploration documentaire qui propose de mettre en lumière la nature dans Paris et le monde sauvage, qui reste encore imperceptible pour un grand nombre de Parisiens, c'est ce qu'on a dit. Et qui pourtant, beaucoup de Parisiens aspirent à cette proximité avec la nature, et on le voit par toutes les initiatives qui se développent, par aussi un grand nombre de Parisiens qui commencent à quitter Paris ou qui ont des résidences secondaires. Donc voilà, ce projet a envie de montrer cette nature-là pour pouvoir la favoriser et montrer qu'elle est présente. Et donc l'idée, c'était de dresser le portrait de Parisiens et de Parisiennes, comme je l'ai dit, qui incarnent ce lien fort entre urbanité et nature, et de montrer qu'on peut être proche de la nature tout en vivant à Paris. Et que même, sur certains aspects, Paris peut être un lieu qui favorise le développement de la nature, voire sa préservation. Je vous expliquerai pourquoi. Donc ce projet permet de mieux comprendre cette nature afin de la protéger et de favoriser sa coexistence avec les Parisiens, donc les urbains, et d'interroger sa place dans la ville et dans la vie de ses habitants. Donc ce projet n'est pas qu'un documentaire, en fait c'est un projet transmédia, un peu comme celui d'Antonio. L'idée, en fait, c'est vraiment d'être dans une exploration de documentaire qui se développe sur plusieurs supports, un documentaire TV de 52 minutes, une web-série pour une diffusion sur des médias sociaux, une plateforme web et des pages Facebook et Instagram dédiées, et une expérience sonore in situ via des podcasts, et enfin une exposition. Donc moi, ce dont j'ai envie, c'est d'offrir un nouveau regard sur Paris et la nature en ville via ce projet. Donc là, je vais vous lister très rapidement les personnages qui font partie de ce projet-là, parce que cette exploration documentaire est quand même beaucoup, beaucoup construite autour d'eux. Donc on a Christophe, dont je vous ai déjà parlé, qui est cueilleur urbain. Donc son truc à lui, c'est la cueillette de plantes sauvages et comestibles médicinales dans Paris. Donc il va Bois de Boulogne, mais aussi dans les différents parcs parisiens, pour trouver des fleurs, des feuilles, des racines, et s'en nourrir ou faire des onguents avec. Et il forme aussi les gens à la cueillette sauvage. Il y a de plus en plus de monde d'ailleurs dans ses sorties. Je vous invite à aller découvrir son travail. J'ai également Nicolas dans le projet, Nicolas Davy, qui est un photographe d'animaux sauvages, mais dans Paris. Donc il photographie des écureuils, des oiseaux, des insectes, et ces photos sont bluffantes parce qu'on a l'impression que ça a été fait à la campagne, à la montagne, mais pas forcément dans Paris. Donc je trouvais intéressant aussi de le choisir parce que via ces images, il nous permet de découvrir la nature dans Paris. On a Massami qui cultive des fleurs en plein air, c'est important de le préciser, en respectant le rythme des saisons, dans sa ferme florale qui est cachée derrière le cimetière de Belleville, sans engrais ni pesticides. On a Fernand Desroussins, qui est audio-naturaliste, qui, lui, son truc, c'est d'enregistrer les oiseaux dans Paris, donc avec l'espèce de parabole que vous voyez. Il va enregistrer le son des oiseaux, surtout au mois de mai, juin, période où on les entend le plus. Et il fait ça très, très tôt le matin, je peux vous le dire, parce qu'on l'a filmé un matin à 5h à Montmartre, et voilà, on a vu qu'il fallait se lever tôt pour aller écouter les oiseaux. Ça pique les yeux. Ça pique un peu les yeux, ouais, clairement. On a Nadine aussi, qui est agricultrice sur les toits, qui a une association qui s'appelle Veniverdi, ça fait 10 ans maintenant qu'elle gère cette association. Et son concept, son projet, c'est de développer des jardins, des potagers, sur les toits de Paris, mais surtout sur les toits des collèges, dont des collèges qui sont fréquentés par des jeunes un moment en difficulté, on va dire. Et l'idée, c'est de pouvoir, via l'agriculture et via le jardinage, les connecter à la nature et surtout, on va dire, les pacifier. Voilà. On a Aurélien et Camille, qui sont des pêcheurs dans la Seine et dans le canal de l'Ourcq, et qui enseignent aussi la pêche aux plus jeunes, et par la pêche qui sensibilisent les plus jeunes à la protection de l'environnement et au respect, on va dire, de l'environnement. Et voilà.
Enfin, on a Émilie, c'est le dernier personnage, qui est illustratrice naturaliste. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une des personnes qui dessinent la nature, donc les oiseaux, les feuilles, les arbres, les végétaux. Elle fait ça dans Paris et elle enseigne en fait cette technique à ses élèves. Et elle est également responsable de la section naturaliste des Beaux-Arts, qui a été créée il n'y a pas très longtemps, justement pour ramener de la nature aussi dans l'art. Donc elle fait un tas de beaux dessins, enfin en tout cas moi je trouve beau, je ne sais pas si vous aimez aussi. Et en fait ces dessins vont servir au projet, dans le sens où à travers ces dessins qui vont ponctuer le documentaire, on va amener nos différents personnages. C'est elle en fait qui va revenir à des moments récurrents dans le documentaire et qui va introduire nos personnages via leur portrait qu'elle va dessiner. Donc ça permettra de faire du lien avec les différents persos et d'avoir des séquences un petit peu oniriques où on la verra dessiner tout ça. Ces dessins serviront aussi pour la plateforme web que je vais vous décrire plus tard, et donc la DA de la plateforme sera très très inspirée par ces dessins. Vous pouvez voir les vues de Paris qu'elle a réalisées. Voilà. Là, je vais vous proposer quelques images du projet. On a filmé quelques séquences. Ah. Ben oui, très vite, parce qu'on arrive au bout de du pitch. Ah, ça ne se lance pas. Ah, si. Je sais pas si on peut avoir le son. Est-ce qu'il y a du son ? Alors là, est-ce qu'on a du son ? Donc là, on voit Fernand à Montmartre, très tôt le matin. Là, c'est Christophe de Woody en pleine cueillette. De plantes sauvages. On n'a pas de son. Avec la musique et la voix, c'est un peu mieux, mais je vais vous le faire. Donc, on a Camille et Aurélien, les pêcheurs, pêcheurs dans la Seine. On a Émilie, donc l'illustratrice naturaliste, qui est en train de dessiner une fleur dans le square des Batignolles à Paris. Et tous ces gens-là nous parlent normalement de leur rapport à la nature dans Paris. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, plus du tout. Non. On va passer très vite aux questions. Si tu as quelque chose à dire, vas-y. Ouais, non, c'était. Je voulais rentrer dans le détail du dispositif, mais ça va peut-être être un peu long. Donc, on peut l'aborder aussi à travers la séance de questions-réponses. Ouais. La question sur le financement. Non, vas-y. Je veux bien aller. Merci pour le projet. Moi, c'est une question à la fois sur la construction et à la fois sur le traitement. La construction, mais c'est ce que vous alliez peut-être dire derrière, c'est comment finalement cette galerie de portraits va se construire, la narration. Est-ce qu'ils vont être les uns séquencés derrière les autres ou est-ce que ça va s'enchevêtrer? Et deuxième question, pardon, c'est dans le traitement, en quoi ça va être un documentaire par rapport à un reportage? Alors en fait, l'idée c'est de croiser les portraits, donc c'est faire revenir ces différents personnages à différents moments dans le documentaire, à différents, on va dire, moments charnières aussi de leur vie, en tout cas de leur vie de ces derniers mois, avec chacun des projets en rapport avec la nature. Donc l'idée c'est de pouvoir montrer ce qu'ils font, montrer les projets qu'ils ont et montrer aussi le fait qu'ils vont réussir à concrétiser ou pas certains projets en lien avec la nature. C'est ça le traitement qu'on veut adopter. La différence par rapport au reportage, c'est que chacun en fait va témoigner aussi de son lien à la nature, de pourquoi finalement il est animé par cette passion-là et pourquoi en fait cette nature est importante dans sa vie en voix off. Donc l'idée, ça sera vraiment pour chaque personnage de ramener des témoignages en off, leurs témoignages dans le documentaire. Voilà. Ok. Du coup, je crois qu'on a une question qui nous arrive de Pascal, enfin de Paris, de quelque part. Pascal ? Oui, bonjour, bravo. C'est un beau projet. Et puis la diversité Merci. Complémentaire des personnages est vraiment intéressante. Je voulais revenir sur la question de Christophe sur le traitement. Qu'est-ce qui va faire le lien entre tout ça ? Est-ce que c'est une voix off qui va nous accompagner ? Est-ce qu'on va suivre un personnage qui va aller les voir tous ? C'était ça, la narration un peu plus précisément ? Oui, alors en fait, y a ce personnage d'Émilie qui est l'illustratrice naturaliste qui va être un peu le personnage central du documentaire. Et c'est elle qui va faire le lien, qui va ramener à chaque fois les séquences avec les différents personnages en esquissant leur portrait. Donc on va la voir dessiner et je ne sais pas, par exemple sur la séquence de pêche, on verra
Émilie dans un parc, par exemple, en train de dessiner les pêcheurs, et après, on enchaînera avec la séquence avec les pêcheurs et tout ça. D'accord, mais par exemple, est-ce qu'on va voir quelqu'un les interviewer? Est-ce que, parce qu'elle, elle va dessiner, mais qu'est-ce qui va faire le lien? Qu'est-ce qui va les présenter? Comment on va avoir, où est-ce qu'ils vont s'exprimer directement? Et ouais, ça va être 5 unités différentes. Ouais, en fait, non, l'idée, oui, c'est vraiment qu'eux, à chaque fois, témoignent en voix off. Donc, ça sera leur voix off qui illustrera leur séquence. Et effectivement, à chaque personnage, il y aura une voix off différente, donc la sienne. Et donc, voilà. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Toi, tu as une question? Oui, moi j'ai une question. Oui, moi. Bon, bah, ladies first, et puis après on prend la tienne. Ah, pardon, non, je suis désolée. Bonjour. Bonjour, merci pour votre présentation. Merci. Moi, ce qui me manquait un petit peu, c'est vous. Enfin, vous avez parlé en fait dans votre présentation de vous, oui. Et du coup, ça manque un peu dans le film, je trouve. Du coup, je m'attendais à ce que vous soyez un petit peu le lion de tout ça. D'accord. Ça, c'était ma réflexion. Ouais. Ma question, elle portait pas sur la narration, puisque Christophe et Pascal l'ont déjà soulevé. C'était plutôt pour votre modalité de financement. Oui. Comment vous aviez déjà envisagé les stratégies de production, où vous en étiez et comment vous organisiez la télévision, la plateforme, le transmédia, etc. Ouais. Alors en fait, on a un financement, enfin on est en coproduction avec France 3 Paris-Île-de-France sur le projet. Donc c'est la société Sepia qui produit le projet. Donc France 3 Île-de-France. Ah, c'est Cédric Bonin. C'est donc. Cédric Bonin, exactement. D'accord. Ouais, ok. Tout à fait. Je le connais bien. Okay. Très, voilà. Et c'est France 3 Paris-Île-de-France, donc le premier diffuseur du projet, donc le coproducteur. On a donc du CNC automatique via Sepia. On a fait une demande de financement auprès de la ProSirep et auprès de la région Grand Est, et on compte aussi un peu sur du mécénat. Et donc dans l'idée, en fait, pour répondre à votre question, c'est d'abord de financer le documentaire, donc le 52 minutes et la série documentaire, pour ensuite là maintenant aller chercher des financements pour le transmédia. Et là, pour le transmédia, on va aller aussi à la région Grand Est, vu que c'est Sepia qui produit, qui est installé à Strasbourg. On a déposé le projet auprès de la commission Nouveaux Médias de la ville de Paris, qui nous a présélectionné. Donc là, on pitch le projet le 28 juin prochain. Et ensuite, il y a quoi d'autre aussi? On compte éventuellement sur des financements privés et du mécénat pour le transmédia. En sachant qu'on a juste, j'ai oublié de le dire, mais on a une slide partenaire qui peut être assez intéressante, et donc je vais la mettre. Hop. Oui, donc on a également la Fondation Good Planet qui nous accompagne et les canaux en tant que partenaire. Voilà. Et Ushuaïa en cours. En cours. il est en cours d'études. Oui, exactement. Voilà. Okay. Et il n'y a pas Hello Planet. Donc Jean-Baptiste, tu avais une question? Oui, j'avais une question rapide. Ça sera la dernière, d'ailleurs. Il est question de personnages incroyables, évidemment, et d'animaux. Je voulais savoir, est-ce que vous allez évoquer quand même la relation entre les Parisiens et cette nature? Et oui, si oui, comment? Pardon? Et si oui, comment c'est prévu? En fait, vu qu'ils sont tous parisiens déjà dans ce documentaire-là, l'idée, c'est de toute façon chacun de les interroger sur, on va dire, l'événement déclencheur, ou qu'est-ce qui les a poussés justement à avoir cette recherche de nature à travers leurs différentes activités. Donc l'interrogation, en tout cas le cheminement personnel de chacun par rapport à cette quête de nature, sera quelque chose qu'on va interroger lors des interviews avec les personnages, et qui sera amené en off lors de leurs témoignages. D'accord. Moi, je parlais plus en fait de la population parisienne. Est-ce qu'elle est, voilà, évoquée? Est-ce que la relation qu'elle peut avoir avec la nature à Paris va être à un moment suggérée ou évoquée? Voilà. Pas forcément. Ça sera évoqué à travers les témoignages de chacun, mais pas. Enfin, on va pas faire de micro trottoir ou j'en sais rien. Non, ce genre de choses. Non. Ça, c'est pas forcément l'idée. Quoi. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Les mouettes nous rappellent à l'ordre. Faut qu'on plie. Merci. C'est super intéressant. Merci. Et puis, bon courage pour le pitch du 28 juin. Merci. Et pour toute la suite de tes démarches. Merci bien. Bravo encore. Merci. On peut l'applaudir. Merci. Bravo. Merci. Oui. We'll be right back.
Oui, j'ai un petit moment avant le terme. Et bienvenue, on est de retour sur le plateau de, voilà, des Deauville Green Awards pour notre troisième et dernier pitch. Last but not least, en tout cas j'espère, c'est Pascal Moret qui vient nous pitcher « C'est beau la forêt la nuit ». Alors c'est vrai, c'est beau la forêt la nuit, mais on voit rien. Donc tu, voilà, Pascal, tu vas nous expliquer comment on va faire. Alors pour le coup, j'ai lu les synopsis des autres pitchs, mais alors celui que tu nous envoyais est très très long, donc je vais lire la fin. Comment les espèces vivantes, qu'elles soient animales ou végétales, sont-elles capables de résister toute une journée au rayonnement du soleil? Comment gèrent-elles ces flux énergétiques? Quels sont les différents phénomènes de luminescence que nous pouvons observer dans la nature? Quelles sont les fonctions de ces luminescences pour les animaux et les plantes? Comment s'en servent-ils? Autant de questions auxquelles nos savants tâcheront de répondre. Voilà, ça fera office de mini-pitch. Et oui, tu as 10 minutes pour pitcher ton projet. 7. Non, 7. Allez. Très bien. Très bien, 7. Go. J'ai 7 minutes. C'est un bon chiffre. Donc, en fait, à la belle société production, on produit surtout des films très engagés dans la bio-inspiration et le biomimétisme. Je suis venu pitcher il y a quelques années ici un projet qui s'appelait les nanosurvies, les pouvoirs invisibles de la nature à Christophe, qu'ils ont pris, qui justement était un film sur la bio-inspiration autour de la science et de la nature. En fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on a des outils scientifiques extrêmement performants. Et si on utilise ces outils extrêmement performants à l'observation du vivant, on va découvrir des solutions que le vivant a trouvées pour pouvoir survivre et s'adapter. Voilà. Et dans ces adaptations, dans ces mécanismes et stratégies qu'on voit, est-ce qu'il n'y aurait pas place pour que nous, humains, puissions nous en inspirer afin de trouver des solutions aux questions que se posent nos sociétés d'aujourd'hui et de demain. Et les nanostructures du vivant, c'était audacieux, parce que je partais vraiment dans l'invisible. Et bon, apparemment, le film a bien marché, enfin, ça a beaucoup plu. Et donc, je viens cette fois-ci présenter un autre sujet autour de la luminescence. C'est-à-dire, en fait, on va aller en expédition avec des scientifiques, physiciens, chimistes, biologistes. On va aller observer les lumières qu'on ne voit pas. Alors, pour comprendre ce que c'est qu'une lumière qu'on ne voit pas, il y a un exemple assez facile à comprendre, l'arc-en-ciel. On voit tous les couleurs de l'arc-en-ciel, du rouge, jaune, orange, vert, bleu. Ça, on le voit avec nos yeux parce qu'on a la capacité de les voir. Et l'indigo. Oui, mais en revanche, on ne voit pas l'infrarouge et on ne voit pas l'ultraviolet. Or,
dans la lumière du soleil est beaucoup plus importante dans ces lumières infrarouges et dans ces lumières ultraviolettes que dans ce petit spectre électromagnétique qui existe dans l'arc-en-ciel. Pour les observer, on utilise des lumières noires, c'est-à-dire des lumières à UV. Si vous avez été en boîte, ben souvent vous êtes fait éclairer par des lumières noires, tout fluoresce, ben c'est ça qu'on utilise. Et on utilise surtout des objectifs et des caméras sensibles aux UV ou sensibles à l'infrarouge pour pouvoir les percevoir. Voilà comment on fait. Le principe de la bioluminescence est assez simple. En fait, c'est quand une enzyme rencontre une autre surface, elle va activer des électrons autour d'un atome. Et de c'est-à-dire l'électron va grossir et va expulser un proton. Et ce proton, lui, brille. Ça, c'est le mécanisme. Donc une fois qu'on a compris le mécanisme, maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on a comme lumière. Et là, on découvre qu'il existe une multitude de lumières. Ça va de la fluorescence, de la bioluminescence, de la phosphorescence. Enfin, il y en a tout un panel. C'est plus beau que les unes que les autres. Ah, j'ai pas mis... Est-ce que tu as des exemples à nous montrer? Oui. Donc ça, par exemple, ça, c'est une petite chenille éclairée en UV et avec un filtre jaune. Et là, on voit bien qu'il y a une lumière qui se dégage de son corps. Elle bioluminescence. Ça, en fait, c'est typiquement une espèce qui a subi le soleil toute la journée, et pour évacuer les UV, ben, elle va se mettre à briller, elle va évacuer. Voilà. Alors ça, c'est une nymphe de cire. En fait, elle les met dans le rouge, on le voit. Et donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a découvert ces lumières, qu'on les a analysées, qu'on les a étudiées par des spécialistes, des scientifiques, physiciens, chimistes, biologistes et autres, entomologistes, je vais aller voir plein de monde. Je veux aller voir aussi des chercheurs, des ingénieurs, des biodesigners, des architectes, pour voir comment ce genre de phénomène les inspire. Et surtout, quel est le résultat? Qu'est-ce qu'ils trouvent de ça? Quel type d'innovation bio-inspirée ils vont imaginer pour demain, aujourd'hui pour demain? Voilà, c'est ça l'objet du film. Alors, après, on peut aller un petit peu plus loin. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est une équipe de chercheurs qui va dans la forêt. Alors, on a choisi trois forêts différentes. On a pris une forêt tempérée. Fontainebleau est une forêt tempérée. Donc, du coup, là, il y a énormément de choses. On va y trouver des lucioles, on va y trouver des araignées, on va y trouver des plantes bioluminescentes, des champignons. Enfin, bref, des tas de petites bêtes comme ça. On veut aller dans les forêts tropicales. Parce que ce n'est pas du tout la même biodiversité, la même biotope qui est là. On veut voir ces lumières, comprendre comment elles sont produites, à quoi elles servent. On s'aperçoit qu'avec ces études et ces recherches qui sont menées autour de ces phénomènes, ben, on peut mettre en évidence aujourd'hui à quoi servent ces lumières dans le monde animal. Alors par exemple, c'est la fluorescence et la bioluminescence. En fait, ça c'est un arbre, ça s'appelle le robinier, on les trouve dans nos jardins. Et la sève est bioluminescente. Autrement dit que dès lors qu'on va se mettre à l'éclairer, les arbres prennent une autre couleur. Et quand j'ai tourné les nanosurvies, le dernier documentaire, on est allé filmer ces petites choses-là. Et du coup, j'ai eu des arbres qui étaient oranges, d'autres qui étaient bleus. Mais vraiment un autre monde. Et quand on sait, par exemple, que des insectes, les oiseaux, par exemple, eux voient dans le bleu, que dans le bleu, à partir du vert, jusque bleu et l'ultraviolet. On comprend à ce moment-là ce qu'ils perçoivent, eux, la nuit. C'est super intéressant. Le serpent, pareil. Le serpent, lui, voit dans le rouge. Donc tout ce qui est thermodynamique, on va découvrir le vivant à travers la forêt, à travers le thermodynamique, et ce que peut donc voir un serpent, un lézard, et puis il y a un tas de petites espèces comme ça qui sont super rigolotes et qui voient un monde différent de nous. Donc moi, j'ai voulu aller voir ce monde-là. Et puis, je veux aller voir aussi, comme je disais tout à l'heure, des ingénieurs, des biomiméticiens. Comment ce genre de choses peut les inspirer pour imaginer éclairer sans électricité, par exemple, ou comment on peut améliorer l'éclairage, la lumière, tout simplement, la production de lumière, voilà. Donc, avec ces découvertes scientifiques, on est capable aujourd'hui de dire que... le vivant utilise ces lumières pour plusieurs raisons. Par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y a une attraction des pollinisateurs. Les fleurs émettent des lumières pour attirer les abeilles et les bourdons. Ça, il faut le savoir. En fait, si on y réfléchit un petit peu, alors je sais que les scientifiques ne sont pas contents quand je dis ça, mais c'est exactement un GPS pour attirer.
C'est exactement. Et ils utilisent la lumière. C'est quand même fou de savoir que, de découvrir que les plantes sont capables de faire ça pour aider les pollinisateurs à atterrir sur leurs pétales. Enfin, ça, c'est dingue. L'attraction des proies. Bah oui, vous avez des espèces qui se mettent à briller, qui attirent d'autres espèces pour les manger, quoi. La protection contre les prédateurs. Ça, c'est un truc assez étonnant. Vous avez des espèces qui se mettent à briller, à éclairer, pour se cacher. C'est dans la confusion de cet amas de lumière que produite la nuit, par exemple, que le prédateur voit, il se cache là-dedans. Donc ça, c'est assez étonnant. Donc c'est vraiment, vraiment du camouflage. On a aussi donc la protection aux UV. J'ai presque fini, après je vous assure, j'arrête. La protection aux UV, bah ouais, toute la journée, vous restez au soleil. Vous prenez un tas d'UV sur la... Comment ils évacuent ces UV-là, quoi ? Comment ils ne craignent pas ? Nous, on reste au soleil, on va prendre le coup de soleil et ça va brûler. Eux, ils ne brûlent pas. Comment ils font ? Bah, ils évacuent la chaleur, l'énergie par la lumière. Et puis... Ben, le dernier, surtout, c'est la communication. Et c'est là où c'est un peu le croustillant. On va trouver tout ce qui est la relation entre inter et intra-spécifique qui va de prévenir le prédateur qu'attention, je suis toxique, de prévenir que coucou, c'est moi, je suis en bas, je t'attends. Voilà. Donc, voilà. Et tout ça, ce sont des lumières qu'on ne voit pas. Donc, il y a toute une vie, tout un monde qui existe qu'on ne voit pas et qui pourtant... Bah, super efficace en fait. Bon bah c'est magnifique. Je sais pas si j'ai. Merci. Voilà, je pense avoir bien essayé. Parce que donc le projet. Tu nous invites à voir avec les yeux des animaux la nature, c'est ça. En fait. C'est ça. Et puis surtout de comprendre que dans le vivant utilise aujourd'hui des stratégies et des mécanismes qu'on n'était pas capable forcément de voir avant parce qu'on n'avait pas les outils pour le voir. Et puis une deuxième chose, c'est que aujourd'hui dans la notion de biomimétisme, il y a cette idée de transdisciplinarité, c'est-à-dire qu'on va regarder les résultats des physiciens, on va regarder les résultats des chimistes, des biologistes, de tout un tas d'expertises autour d'une particularité d'une espèce. Et du coup, le résultat de ça nous donne une réponse assez très bio-inspirée et qui sont où on va pouvoir s'inspirer pour trouver nos solutions de demain. Bon, ben génial. Je vous propose de commencer par prendre peut-être une question en ligne et puis ensuite, on prendra une question plateau. On va alterner voilà. Comme ça. Puis on va essayer d'aller vite parce que ça va très, très vite, en fait. Est-ce qu'on a une question en ligne ? Non ? Si, allez. Je me lance, j'en ai plein. Vous nous avez raconté plein de choses passionnantes sur le contenu scientifique et effectivement, tout le champ du biomimétisme est absolument passionnant et vraiment important. Est-ce que vous pourriez... Nos questions reviennent toujours un petit peu à ça, mais nous en dire un petit peu plus sur le traitement, parce que vous allez... C'est quand même un peu un challenge visuel, même s'il y a des animaux qui brillent, vous restez dans un univers nocturne. Oui, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Voilà, donc du coup, en fait, vous allez pouvoir vous organiser autour de visuels de ces animaux en train de briller grâce à la thermo... Oui, c'est ça, la thermodynamique ou l'ultraviolet aussi. D'accord, et quel est effectivement le traitement que tu vas réserver à ce film, quel va être le film en fait ? Bah, en fait, le film en lui-même, c'est vraiment une expédition qu'on va faire et on va avoir les outils avec nous pour aller découvrir ces lumières. Donc on va voir des lumières sans traitement, c'est vraiment ce qu'on va observer. Ensuite, on va rentrer en laboratoire et on va regarder ces mêmes espèces en produisant les mêmes lumières mais avec des microscopes. On va faire des expériences chimiques pour essayer de comprendre comment c'est produit, comment c'est fait, quoi. Voilà, tout simplement. Et comme on est dans des lumières invisibles, on est dans des surfaces invisibles. Clairement, on est dans ce qu'on appelle la science quantique. On est dans cet inconnu. C'est ça, en tous les cas, la ligne conductrice du film. Et de cette expédition-là, on va aller voir des designers, encore une fois, des ingénieurs dans plein de domaines. En médical, par exemple, il y a beaucoup de choses qui se font par là, où on s'inspire justement de ces lumières-là pour détecter des bactéries, des virus, des choses comme ça. Voilà. Vous êtes sur un format de 52 minutes ? Alors moi, je travaille beaucoup en transmédia, c'est-à-dire qu'en règle générale, quand un projet, j'essaye de placer un documentaire et puis j'essaye de faire une série. Et puis, si je peux, je ferai du VR si c'est possible ou une exposition. Parce que ce qui peut être aussi intéressant, c'est de mettre en place
des lieux où on peut justement voir de nos yeux ces lumières à travers des éclairages en UV ou en thermodynamique. Ok. Est-ce que ça répond à ta question ? Est-ce que ça répond à votre question ? Est-ce qu'on a une question plateau ? Oui, oui, tout à fait. Pardon. Simplement juste, ça veut dire un documentaire de 52 minutes et une déclinaison après en série, c'est ça. Différents épisodes à destination du web. C'est ça. Alors, du web, c'est sûrement, mais moi, ce que je veux, c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois sur mes projets, c'est que je veux vraiment que ça aille dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que c'est vraiment comme c'est des nouvelles recherches, je trouve que de découvrir le vivant à travers des choses comme ça qui sont complètement inattendues, merveilleuses, je trouve qu'il n'y a pas mieux pour expliquer le vivant et pour expliquer la science à des plus jeunes que nous, quoi. Et quand on arrive à toucher les plus jeunes, ben en général, on touche les plus grands. Hein. Voilà. Super. Ben, j'ai une question de Christophe. Par rapport à tout ce qu'on va voir, est-ce que du coup les scientifiques qu'on va suivre connaissent déjà tous les résultats ou est-ce qu'il y a un enjeu de découvrir des nouvelles choses dans le cadre de cette expédition, de ces expéditions ? Alors ça dépendra de l'audace du diffuseur. Non mais sérieusement, parce que effectivement, dans la poche, j'ai des découvertes mondiales. C'est vraiment une recherche sur la bioluminescence, ça n'a pas 10 ans. Donc on est vraiment au début de ces découvertes-là. Donc oui, on a des avant-premières, on a des premières mondiales, on a même des recherches en cours. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est de voir, par exemple, on a découvert des opolons, c'est des espèces de petites araignées qui ont des longues pattes qu'on voit dans nos prairies. Bah, quand on l'éclaire en UV, elle devient bleu ciel. Et c'est super incroyable de découvrir une petite araignée comme ça, bleue, qui se balade. Et c'est super intéressant, c'est beau en soi déjà. Mais c'est encore plus beau de comprendre comment elle fait ça. Parce que là, il y a des pépites d'innovation, des pépites de stratégie et de mécanismes qui sont remarquables. Bon, est-ce qu'on a d'autres questions ? Est-ce qu'on a des questions en ligne ? Est-ce qu'on a des questions plateau ? Jean-Baptiste, moi, j'ai une question sur le financement. Vous en êtes où aujourd'hui ? Alors, le financement aujourd'hui, pour l'instant, c'est un projet que j'ai écrit avec deux scientifiques, Serge Berthier et Bernd Schoerlorn. Et leur université sont partants déjà avec nous. Maintenant, moi, j'attends un accord de diffusion, en fait. C'est ce que je recherche dans un premier temps. Et de là, il y a toute une série de soutiens qui pourront intervenir. Mais du coup, le dossier, il est chez des diffuseurs hertiens, il circule. Pour l'instant, je le présente là, puis après, il va partir. Pour l'instant, c'est vraiment la première. Ouais. C'est vraiment Mais c'est tout ça, la démarche. Tout beau, avis aux amateurs. C'est vraiment la démarche, voilà. Bon, bah, comme les mouettes qui voient en bleu nous laissent un tout petit peu de répit, on a encore du temps pour une question. Pascal, peut-être ? Bon, dernière question. Oui, d'abord, bravo, je trouve ça formidable. Moi, je me demande si vous allez découvrir des espèces qui sont en train de s'adapter par rapport au changement climatique. C'est-à-dire, par exemple, est-ce qu'il y a des fleurs, enfin, des espèces qui se mettent à fleurir la nuit et qui ne le faisaient pas avant, par exemple, à l'image du cactus qui récupère l'humidité la nuit pour avoir de l'eau, quoi. Pour vous dire, franchement, je répondre à cette question, je ne suis pas assez spécialiste dans la biodiversité. C'est plutôt les scientifiques qui nous le diront. Mais oui, on découvre des espèces de toute façon. Mais ce que je peux vous dire par rapport à ça, j'ai quand même quelque chose à dire par rapport à ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vu la masse de la biodiversité qui est en train de disparaître, il suffit d'écouter l'INPBS, il suffit d'écouter ces spécialistes-là. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a plutôt intérêt à aller vers la biodiversité et de prendre les informations. Parce que demain, c'est par ces informations-là que des jeunes trouveront des solutions pour répondre à leurs problèmes à eux. Donc moi, je pense que ça, en tout cas, c'est un engagement que je prends et que ça arrache qu'au bout de ma vie, ça. Mais je crois que c'est essentiel aujourd'hui d'emmagasiner les informations sur les espèces pour permettre demain à d'autres de s'inspirer de ces espèces qui ne sont peut-être plus là, elles sont peut-être là encore, mais en ce moment, ce n'est pas du tout le cas. Et pour une dernière chose à vous dire, c'est que ce qui est triste, c'est que quand on se met à rechercher, je vais souvent dans la nature observer, etc., franchement, les espèces disparaissent et ça se voit. Et ça, c'est vraiment alarmant. Je suis pas quelqu'un de négativiste, je suis plutôt positiviste, mais quand même, la biodiversité disparaît, c'est dangereux pour nous, humains. On ne le comprend pas encore, mais c'est très dangereux et il faut vraiment un maximum d'informations, conserver, trouver un maximum d'informations sur ces nouvelles espèces. Oui.
Bah oui, se documenter sur ce qui se passe pour être justement pour affronter l'avenir. Le biomimétisme, c'est vraiment une très très bonne solution. Bah ça y est, les mouettes nous rappellent à l'ordre. Bah, écoute, merci Pascal, c'est un très bon projet. On a eu que trois projets, mais on a eu trois très beaux projets. Donc c'est vraiment une belle session de pitch. On a beaucoup débordé, mais je pense que c'est absolument pas grave et que l'organisation du festival ne nous en voudra pas. On les remercie. Je vous remercie à tous d'être venus aussi nombreux. On me fait signe qu'il y a des millions et des millions de gens qui sont connectés, donc on est super contents. Et puis, merci. Et j'espère vous retrouver très bientôt. D'ailleurs, on vous retrouve à 14h30 pour un autre plateau. Merci infiniment. Merci Pascal. Merci à tous nos pitchers. Merci Antonio. Merci Jérémy. Et merci à nos panélistes présents et virtuels. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci. Et bienvenue au Deauville Green Awards.